Redoublez d'attention. Il peut être n'importe où. Elle, en l'occurrence. Elle est là quelque part. Cherchez bien. C'est bon. Je vais regarder ailleurs. Un homme. Tu fais que retarder l'inéluctable. Continuez de chercher, la cible est forcément par ici.
qu'il y a avec l'araignée. Paraît que t'as besoin qu'on t'aide? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est qu'un Albion. J'arrive pas à y croire, jusque-là. Bon, moi, je ponds juste des articles, mais vous, là, vas-y, c'est la dissident. Un an. Sinon, Albion ferait de ce pays une foutue dictature militaire. Bon, j'ai failli me faire choper pour trouver ça. Les données opérationnelles d'Albion pour toute la ville. Trajet de convoi, cible à surveiller, infrastructure. Vous saurez sûrement quoi en faire. C'est pas faux, tu sais. Tiens, juste un exemple. Garde du King's Cross au public, tu vois? Est-ce que les gens, ils savent pas? C'est que ça leur sert de centre logistique, matériel. Vous voulez booster la population bien comme il faut, puis et partout. Ça y va, non? Oh, c'est vivant. Les plans opérationnels d'Albion, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il va falloir qu'on étudie ça de près. Alors, comment on fait pour mettre tout King's Cross en mode offline? Albion, hein?
Ça va pas être facile d'accéder à ce générateur. Ils ont renforcé les protections depuis la dernière fois que je l'ai vu. Une idée ? Mes drones journalistes sont toujours là-dedans. Ils devraient encore marcher. Tu pourras en prendre un. Tu piloteras peut-être même mieux. Bien. Créer une surtension dans un générateur hybride, ce n'est pas comme de beurrer une crêpe. Il nous faudra des instructions précises. On va voir si on trouve quelque chose. Et vas-y. Fuck, ça a l'air hyper compliqué. Mais bon... Tout à fait. D'après ce que je vois, il y a un code dérogatoire qui nous permettra d'accéder au système du générateur. Voileur et je pourrais provoquer une surtension. Ça devrait suffire à mettre King's Cross hors service. Et tous les chemins de fer aussi. C'est parti. Pancras nous a fourni des tonnes d'informations inconvénielles. C'est ce qu'il nous faut pour embraser le peuple de Londres. Comme on a fait à Camden. Ils ont de se soulever quartier par quartier. Plus on fera ça, plus on ralliera des partisans à notre cause. On va montrer aux Londoniens. L'impro. Je savais que Deadsec était pas comme le dit Albion. Et vous l'avez prouvé à tout Camden. Merci. Ouais, merci. Maintenant que t'as montré à ce quartier ce que deux gens vont venir de lutter, quelqu'un qui va bientôt te contacter à son enthousiasme, j'en suis sûr. Plaisir à entendre ça. La résistance grandit. Allez. Et une pointure qui maîtrise en plus... Tu m'étonnes. On va foutre un joyeux bordel. Ça me fait plaisir. Eh bien, je n'en viens pas que vous soyez tous... Alors, équipe... Blablabla. Clé illimitée... J'avais parié le contraire avec Sabine. Donc vos magouilles de la résistance nous ouvrent une formation. Je viens de mettre la main au sens figuré, bien sûr, sur une pépite du ministère des Affaires citoyennes. Zut. Ah, dans une... Quoi donc ? Les services d'intervention et de renseignement des signaux, ou SIRS, technologie de surveillance appelée reconstitution en RA. Cette technologie ultra avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée, mais elle pourrait nous être très utile pour trouver Zero Day.